Moscato. Il est 16h46 oui. Avec Marie-Zéva GP, avec Monsieur Denis Charvet et Adrien Aigouet. Pierre Dorian, mais c'est l'heure du journal moyen, Adrien. Ah, tu le veux, ce journal moyen, ah, oui, je le veux. Aujourd'hui sur RMC. Fais une demande, une commande. Parce que tu m'as passé une commande de casserole, un menu, j'appelle ça le menu Maxi Best of Denis Charvet. Jeannot Rességuier dans le journal moyen, Vincent, sur Kylian Mbappé. Alors, magnifique Jeannot hier. Et puis j'ai trouvé un joueur de rugby, mais complètement jojo. Il joue à l'Union Bordeaux-Bègles. Un niveau de jojoïtude, comme tu dis, Vincent. Ah ouais. Tu vas te plaire, celui-là. Du coin. C'est vrai. Oui, Nance du coin. Ah, il est énorme. Jojo, incroyable. Énorme. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC. C'est le 432e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Mbappé, star de la soirée hier sur Jeannot Rességuier, star de la soirée aussi. Il voulait pas la faire, Jeannot. On lui avait dit ne la fais plus parce qu'il faut plus la faire, Jeannot. Ah mais ouais. C'est plus fort que lui. Penalty pour les Bleus. Mbappé, Jeannot Rességuier sur RMC. Avec Kylian Mbappé pour frapper ce penalty. 9 buts en équipe de France. Avec Kylian Mbappé, 3 pas d'élan. Et ça va au fond. Kylian Mbappé qui égalise pour l'équipe de France. Désolé, je vais la refaire. Heureusement, il y a Kylian Mbappé de voilà, partout. Voilà mon Jeannot. Heureusement, il y a Kylian Mbappé. C'est un surgelé pour Jeannot, c'est, Kylian c'est Mbappé. C'est resté ce qu'il avait commencé pendant la Coupe du c'est Monde. Ça. Alors non, justement, Marise, on lui avait dit d'arrêter parce qu'il avait fait avant la Coupe du Monde. D'accord. Pendant la Coupe du Monde, il nous avait offert une petite déclinaison différente. Ouais, une ferlouse, ça s'appelle. Jeannot. Mbappé. Comment tu as dit, Jeannot, s'il te plaît Mbappé. Moi j'adore, je suis mais fan de ça. Il me ressemble un peu. Oui, oui, mais j'adore ça. Bien. Une dernière, Jeannot, s'il te plaît. Allez, pour le plaisir. Non, j'en ai plein le cul. On finit et je vais bouffer. D'accord. J'en ai marre. Ok, merci, Jeannot. Bon appétit. J'en ai marre. Je t'embrasse, Jeannot. On t'embrasse. Phénomène, Jeannot. De Montauban. Ouais, c'est que Jeannot, c'est le plus consciencieux. Il vérifie tout, il check tout. Mais s'il y a un buffet, c'est mort. Oui, le problème, c'est qu'il bouffe, Jeannot. Oui, gamelle, Jeannot. Tu vois les yeux quand il a les yeux. Il a les yeux comme les chiens, tu sais, vitreux quand ils voient dans la bouffe la charcuterie. Non, mais il mange bien, il mange des bons trucs. Je te jure, il a des larmes qui coulent comme ça. Jeannot, il a une passion, il a une passion pour les marchés. Il fait les marchés, oui. Il va chercher les bons produits et c'est génial. Moi j'adore. Jeannot, voilà. c'est aimerait. Sans transition, boxe. Hier, Morgan Mori commente la boxe dans l'after, le combat de Boderick. On est en direct et il a un problème sur les notations, sur les juges, etc. Et du coup, Gilbert, c'est gratuit, balance sur Pierre Dorian en plein direct. Alors, à l'époque, Pierre Dorian faisait la boxe et il pompait son pointage sur les juges. Tu sais, il se penchait comme ça, puis il regardait. Voilà. Quel escroc. Vas-y. Ta petite introduction, là. Pierrot, tu confirmes? Ouais, dans les petites réunions, tu peux le faire, c'est génial. Comme ça, tu te trompes pas. Ouais, bien sûr. Tu places derrière le juge, mec. En fait, quand c'est une toute petite réunion, ou une petite, disons, t'es très très bien placé, t'es juste à côté des juges, tu leur demandes. Bah, ils te le disent. Pas toujours, mais si tu ne pas, ils te le disent. Oui, quand il y avait les combats d'Asloum, tout ça, les petites réunions. C'est impossible de savoir. Petit Asloum. Quand t'es. Sympa de cracher dans la soupe des... Bah, il est pas grand, Brahim, il est petit. Quand t'es pas pratiquante, c'est impossible de faire le comptage. Ah non, ou si un mec qui tombe. Sans transition, je suis désolé, Denis, c'est une nouvelle rubrique. Ça s'appelle la commande de casserole. Vincent m'a fait une commande au début de semaine parce qu'il a bien chargé, Vincent, faut dire. C'est l'instant Denis Charvet. Est-ce qu'on peut dire que c'est la plus belle finale dans laquelle on assiste le plus de sa naissance? On aura droit à des petites commandes comme quand ça. Tu la réécoutes, vraiment, tu commences à Vincent comprendre. M'a commandé un menu Maxi Best Of Denis Charvet, les mouettes et le haka, c'est la totale, Vincent. Ah oui, les oui. Mouettes, donc, qu'est-ce qu'on appelle les mouettes si vous n'écoutez pas le Super Moscato Show depuis 10 ans, si vous avez loupé ce moment-là? Documentaire sur la finale de la Coupe du Monde, c'est bien ça, Denis. En 1987, Nouvelle-Zélande-France, finale perdue par Denis Charvet et ses coéquipiers. Il évoque cette finale, Denis. Alors déjà, écoutez la musique. Voilà. Donc là, Denis, il entend ça. Ça se passe dans un cinéma. Denis se met immédiatement en mode introspection, tu sais, voilà. Avec quoi, on sait pas, mais il est en introspection. On sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Denis Charvet, quel souvenir, cette finale? La finale, c'est pas un mauvais souvenir. Moi, c'est vraiment c'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir. Voilà. Finale de Coupe du Monde perdue. Hein. Ouais. Finale de Coupe du Monde perdue. C'est pas un mauvais souvenir. Ouais, non, non, moi, j'aimerais bien que tu nous racontes là. Les valeurs. Et un moment intéressant, c'est juste avant le coup de sifflet final. On joue la 77e. Il se passe quoi, Denis? Raconte-nous en Nouvelle-Zélande. Je sors du terrain. Avant de sortir du terrain, il reste 2-3 minutes. Et puis il y a les mouettes qui sont venues envahir le stade. Des mouettes sont donc venues envahir le stade. Et c'était pas prévu, ça. C'est beau, Denis. Oui. Mais Denis, franchement, parce que le mec qui pose les questions dit: des mouettes? Vraiment, Denis? Quand je dis des mouettes, des milliers de mouettes sont venus sur le stade et qu'on me remerciait les héros le de gagner, quoi.
comme pour remercier ces héros qui venaient de gagner. Non mais quoi, extraordinaire. Faisait le calme moi qui ça aurait pu être des pans, tu vois, ou des oiseaux de feu. Non là, imagine des autruches, une invasion d'autruches. On est au bord de la mer. Et puis ça y est, c'est fini. Tout calme, des autruches. Les Bleus ont perdu. Denis voit le capitaine adverse qui est content. Quel sentiment vous traverse à ce moment-là, Denis, s'il vous plaît? J'ai pas ressenti de rien de négatif, au contraire. J'étais heureux. Je peux même dire que j'étais heureux pour lui. Il était heureux pour lui, bizarrement. Ouais. Il était heureux pour le capitaine. Mais oui, là, Denis, c'est une période, t'étais en séparation, t'avais vu. C'est exceptionnel. Du trouble. T'étais en cacheton, t'étais en ralenti. La quoi, tout le monde était beau, il y avait des fleurs. Ouais, cinéma, Jean-Pierre, ça, Spandeur. Ah ouais, du grand Jean-Pierre. Sois honnête, il n'y a pas un moment où tu t'es un peu pris pour Jean-Pierre Rive. Là. Pour le personnage, pas pour le joueur. Mais c'est vrai qu'il faut la bande, il faut la mettre à bout. Oh, on va la garder un petit peu. C'est très bon, et ça. Puis Vincent, tu m'as commandé donc le maxi best-of. Donc dans le maxi best-of, il y a ce qu'on appelle le A4 Denis. C'est une fin de soirée. Denis. Plus récent. Je rappelle qu'il était avec moi. Non, mais j'arrêtais pas de te dire arrête, Denis, c'est trop. Surtout, il disait arrête, c'est trop, tu dérapes. Bizarrement, à ce moment-là, c'est votre génie. C'est que quelqu'un est en train de filmer. Et ça, c'est extraordinaire. Et me l'envoie après. Décide de célébrer. Donc Denis, tu décides de célébrer les Néo-Zélandais. Tu le fais bien. Ça, Denis Charvet, le A4. T'as chaud, frère, quoi. Non. Là, c'est un cochon qu'on égorge, quoi. Oh là 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 là. Ah, mais c'est long. On tue le cochon ce jour-là. C'est long, Denis. Bravo, Denis. Voilà. Les Néo-Zélandais sont. C'est si long ? Non, c'est si long. Non. Tu sais quoi ? La fête était aux toilettes. Était très froid. Il faut dire aux auditeurs. Je vais juste préciser pour les auditeurs. Oui. En fait, on expliquait qu'au Waka, il y a toujours un mec derrière qui est debout. Oui. Les mecs sont assis. Il fait l'introduction. Il fait avec le signe sous la gorge. Non, mais c'est bien fait, Denis. Une commande pour la semaine prochaine ? Je sais pas, une petite commande ? Non. J'aimerais bien Maryse, mais si t'en as une, t'as une boulette de Maryse. Ah, je vais chercher sur Maryse. Maryse. Elle a dû faire des blouses. Sans transition. Il est 16h53, elles sont là. Je vais te présenter, Vincent, un joueur de rugby qui, comme tu le dis souvent, comme tu vas le dire régulièrement, est complètement jojo. Hier, c'était l'anniversaire du talonneur international qui s'appelle Clément Ménadier, qui joue à l'Union Bordeaux-Bègles, il a 30 ans, joyeux anniversaire d'ailleurs. Et son copain, son coéquipier qui s'appelle Nance Ducoin, arrière à l'UBB. Nance Ducoin a envoyé une vidéo à son pote, une chanson qui raconte la vie de son pote Ménadier pour son anniversaire. Ouais. Alors je te fais le contexte, vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Ducoin, il est seul face à la caméra, dans sa cuisine certainement. Début de la vidéo, tout est normal dans son comportement. Début de la vidéo. 1, 2, 3. Test. 1, 2, 3. Ok, vas-y Nance. Ok, c'est bon. Okay, vas-y. Vas-y, Nance. Vas-y. Ok, donc là, tu sens que le mec est jojo. Tu as peur pour la chanson qui va démarrer. Attends, début de la chanson, reprise de la chanson qui s'appelle Le Chasseur de Michel Delpech, qui est souvent reprise dans les vestiaires de rugby. Quand il parle de Bigoud dans la chanson, il parle de son pote Ménadier dont c'est l'anniversaire. D'accord. C'est parti. Il était 5h du matin. Dans du coin. On entendait un petit bruit à la bergerie. Ah, la bergerie, c'est là où est son pote qui est en train de mettre. Nous y allons à pas de loup. Et au beau milieu du fumier, une brebis. Ça, c'est son pote. Ce 11 octobre 88. D'accord. C'était Bigoud. Donc là, il compare son pote à un mouton qui est en train de naître. D'accord, tout va bien. Vincent, maintenant c'est le refrain, c'est du rugby. Je sais que ce refrain, ça va te parler directement. Au-dessus du Tarn est apparu le petit Bigoudi. Il est arrivé à l'UBB, tout doux et tout frisé. Voilà, et la conclusion, tout doux et tout frisé comme un gros mouton, un talonneur. Ducoin parle de son pote talonneur dans la conclusion. Ça va aussi te parler directement, Vincent. Il venait d'Albi et jouait au rugby en tant que talonneur. Les pizzas volées, les mêlées reculées, jusqu'à la Bodega.
Et après, il part en vrille pendant une minute tout seul en solo sur ce petit refrain. Ce mec, il a fait un truc à la guitare il y a un an, énorme aussi, en pleine rue. Il est complètement joué. Tu as vu ce truc ? Là, il fait le canard, par exemple. Il avait fait du Johnny Hallyday, souviens-toi, en pleine rue, sur une place à Bordeaux. Ah, c'est lui, oui, qu'il avait vu à Bordeaux. Arrière international de l'UBB Nantes du coin, phénomène, Jojo. Allez, Vincent.